Et bien salut tout le monde, c'est XDSky et aujourd'hui on se retrouve encore une fois pour du Jedi Survivor après notre magnifique crash de la dernière fois. Ah, qu'est-ce qui était magique ce crash. Donc notre personnel, si vous voyez que ça crash pendant le voyage rapide, c'est normal. Alors je tiens quand même à signaler que le jeu est installé sur mon NVMe. Et je mets toutes les chances de mon côté. Bienvenue, ah. Comme chez toi. Alors, elle est où Z? J'ai du pain sur la planche. Pas ici? Voyons un peu ce qu'il y a à l'étage. Ah la voilà. Ça me sera utile. Certainement. Ça, ouais, ça va être utile. Plus d'XP quand tu tues les ennemis, c'est toujours utile. Alors, question con. Je dois aller où? À mon vaisseau, bien sûr, mais... Il est garé où? Vaisseau? Il est où mon vaisseau? Ah! Ah ouais, Stormtrooper, j'ai pas le temps, hein. Ah, il est là, je suis con. Oh là, quel tub. Bon, sinon, il y est là. De vous à moi là. À quand un jeu avec un Sith là? Il nous faut un jeu avec un Sith maintenant. J'en ai marre de jouer gentil. Star Wars, c'est pas que le... c'est pas que les gentils Jedi lumineux mes couilles. Il nous faut des Sith. Les Sith, c'est plus classe. Et massacrer tout le monde gratuitement, c'est encore plus classe. Donc je veux mon Sith. Tu crois que Cordova comprendra la technologie que Cal a trouvée? Tu rigoles? On n'en fait plus des cerveaux comme le sien. J'ai vraiment hâte de revoir Céré. J'ai une dette envers elle. C'est elle qui a avancé les fonds pour le Pailoun. Combien tu lui dois, Grise? À peu près 2000 crédits. Peut-être que si je lui fais mon célèbre ragoût de grand-mère Pailoun, elle effacera ma dette. Pour 2000 crédits, il y a intérêt à ce que ce gratin soit incroyable. Hé, hey, petit gars, assieds-toi, on y est. Pas, Gris. Je te rattraperai. Je vais rester à bord du Mantis, vérifier 2-3 trucs. Si t'as des réparations à faire, je parie que les Anachorètes seront ravis de t'aider. Oh non, merci.
Je veux pas que ces machins fouinent dans mon vaisseau. Allez, en avant. C'est bon, j'ai vos trucs. D'accord, mais comment être sûr que c'est sans danger? Impossible de le savoir. Les ressources du réseau sont déjà sollicitées au maximum, et certains chefs locaux refusent de prendre ce risque. Comment les convaincre? Beaucoup craignent qu'en acceptant des réfugiés, ils se mettent une cible sur le dos. Ah, Cal, te revoilà. Tu as trouvé quelque chose? Je crois. Parfait. Cordova sera heureux de l'apprendre. Cordova dit vous avoir trouvé alors qu'il cherchait d'autres Jedi survivants. Oui. J'ai encore peine à croire que le destin nous ait réunis après tout ce temps. Un coup de chance qui nous aurait bien servi pendant qu'on cherchait l'Holocron. Je sais. Chance ou destin, peu importe. Je me réjouis que mon maître soit avec nous, bien en vie. Oui. Et plus décidé que jamais à nourrir la flamme des Jedi pour résister à l'Empire. Un étrange appareil. Celui-ci a l'air d'être une copie. Les deux ont été endommagés par un sabre laser. Pas le mien. Cette fois. Oublions ça. C'est réparable? Je l'ignore, mais je ferai de mon mieux. Maître Junda, l'Empire s'approche du sanctuaire du pèlerin. Des forces d'intervention? Non, une équipe de fouilles. Tant mieux, c'est qu'ils ne savent pas pour le refuge. Pas encore. Le refuge? Caché dans les ruines. Avons-nous commencé l'évacuation? Elle est déjà en cours. Mais frère Armias ne répond pas. Armias a les codes de communication. S'il le capture, ça pourrait mettre en danger tout le passage. Je connais les ruines. J'irai. Je t'accompagne. Baud? À mon avis, je devrais rester ici et me rendre utile. J'aurais bien besoin d'un assistant. Ramenez Armias. Compris. Et sans jouer les héros. Avec lui? Je promets rien. Ça s'adressait à toi, je crois. Le refuge est loin? Non. Mais on va avoir besoin d'un spamel pour y aller. Il y en a près de la base. Suis-moi. On bouge. Très bien. C'était quoi cet endroit avant? Un ancien monastère anachorète. Impressionnant, non? Oui. Le sanctuaire du pèlerin est un temple ancien. Serré et Maître Cordova l'ont choisi pour servir de refuge au passage. On savait que l'Empire viendrait un jour, mais pas aussitôt. Alors... Le pont du pèlerin est de l'autre côté du désert. Point TP, parfait. Voilà notre monture. Avant la monture. Parfois, tout ce qu'il y a dans le désert commence à se ressembler. Concentre-toi sur ce qui est différent. Comme ça, tu ne te perds. Alors... Toujours rien. Wow. Espérons que ce spamel ne nous abandonnera pas. Ne sois pas rempli, Cal. Ouf. Ça ne te ressemble pas. Oh là là. Essayons d'éviter d'attirer la... Mais attends, je sais même pas où on doit aller. Tu peux y arriver.
Je sais pas où je dois aller. Je sais vraiment pas où je dois aller. On accélère. Allez, sale bête. Bonjour. Bon, dans tous les cas, c'est la baise. J'ai l'impression que l'aide à la navigation est plus problématique qu'autre chose hein, dans le jeu. Oui, oui. On doit se rendre là-bas. Donc on doit forcément s'arrêter ici. Ça m'a manqué de combattre à tes côtés. Il y a des impériaux. Je suis ton allié. Aïe. Donne-moi une cible. Tiens, c'est ta cible. Vous le regretterez. Sans intérêt. Trop dur. Encore un point de compétence. Eh ben, je suis bien en veine en ce moment. Restons sur nos gardes. Bon, tu m'excuseras, mais moi je me barre. Alors, comment t'es entré en contact avec le passage? Pendant mon voyage, j'ai rencontré une personne dans le besoin. Et je l'ai aidé à se cacher de l'Empire. C'est ce qui m'a mené au passage. Parfois, je me demande si la destruction de l'Holocron a eu le moindre effet. Nous avons protégé les enfants de cette liste, mais il y en a d'autres. Et l'Empire continue de les traquer. Exactement. On doit protéger un maximum de gens. Alors, qu'est-ce qu'on a de beau ici? À part un raccourci. Bonjour. Il y en a partout dans la base de Serré. Oui, ce sont d'anciens mécanismes de sécurité. Un héritage de ceux qui ont vécu ici avant nous. Lorsque l'Empire est arrivé... Eh ouais, moi j'y vais comment? Les correttes ont commencé à se servir de ça. Les vieilles technologies sont plus discrètes. Exactement. Ouais. On a un verre, je peux vous donner un nouvel... Ah, non. Ouf, je vais me faire écraser, moi. Alors, qu'est-ce qui nous attend ici, Lucette? Des TIE Fighters! Le refuge est là-dedans? Oui. Ce temple est abandonné et bien fortifié. L'endroit idéal pour se cacher de l'Empire. C'est ce qu'on pensait. On va retrouver le frère Armias. Je l'espère. On va prendre la route de derrière. C'est le chemin le plus rapide. La route de derrière! Au moins, on est deux. Ça fait une pince chaque...
Aïe. Laisse-moi m'en occuper. Je vais le retenir. Je sais pas. Sale bête. Je suis un petit peu déçu. Pas encore. Mais on a trouvé quelques appareils d'agents de la Haute République. Maître Cordova. Est-ce que je suis le seul à ne pas ressentir l'influence Dark Souls qu'il y avait dans le premier? Dans celui-là. Tu as rencontré d'autres Jedi au cours de tes voyages? Non, Cal. Si ça avait été le cas, je t'aurais contacté. Je te remercie. Je sais pas. Alors vous me direz, c'est le boss de fin est super dur. Ça comblera un petit peu, mais. Je sais pas, là c'est. Je sens vraiment moins l'influence que les Souls-like ont eu. Sur Fallen Order par rapport à celui-là. I believe I can ride. Ah oui, l'Empire. Je vais les ralentir. On se rejoindra près du temple. Et non! Fais attention à toi là-bas. J'ai pas envie de bosser tout seul! Faire attention, Cal. Il n'y a plus que toi et moi. J'ai pas envie de bosser tout seul! Ah ben ouais, hein. Qu'est-ce qui nous attend? Rien. Bah, on va dans le temple directement. Oh merde. Il a l'air d'avoir faim. Avait l'air d'avoir faim. Justice. Ouah. Bon. Mais on a même pas eu besoin de ce truc. Ouais. Une question, on est supposé le caler où? Ah non, d'accord.
D'accord. J'étais. C'est pas qu'il faut le caler. Ok. Mieux vaut ne toucher à rien ici. Ah bon ? De réveiller les morts. Mais moi je veux réveiller les morts. La dévotion jusqu'au bout. Mais envers quelle cause ? Et boing ! Au moins on a un raccourci, c'est déjà pas mal. Malheureusement, ce raccourci nous indique pas réellement où on doit aller. On doit aller à l'extérieur. Et pour quelle raison? Ah! Un atterrissage réussi. Ouais, je confirme. Casse-toi le rat. Prépare-toi, BD. Préparer à quoi? Ça t'appelle Zepho, à toi aussi? Allez. Attention, saut. Il y a trop de vent. Mais wow. Il faut que je bloque ce vent. Faut que tu bloques ce vent. D'accord. Tu as déjà entendu une chose pareille? Oh, c'est quoi ce bruit? Je dirais de la musique. C'est la musique d'Octavia Prime dans Warframe. Il a l'air blasé de se reposer, les gars. Allez, on focus la santé. Allons déglinguer du Stormtrooper. C'est tout bon. Non, aïe. Ça doit quand même faire sacrément mal un point de droïde dans la gueule. Hein. Ils attendaient une navette, donc d'autres vont arriver.
Il faut que je fasse quelque chose. Il faut que je fasse quelque chose. Oui, bien sûr. Tu peux appeler le dieu du vent et espérer que ça fasse quelque chose. Ah d'accord, hein. Mais quoi ? Tout ça parce que j'ai fait un saut en plus. Ah d'accord. Comme dirait JDG, la perspicacité... Non, c'est la persévérance, c'est une qualité, même quand on est con. Quel genre de pèlerin venait ici, au fait ? Des pèlerins suicidaires. Ces vents juste pour trouver un refuge. Un sanctuaire n'a pas de prix, j'imagine. Wow ! On va pas prendre le risque avec ce vent. Merin a dit que c'était la route de derrière, c'est ça? J'espère que Céré a fait passer les réfugiés par un autre chemin. Ils ont déjà assez souffert. Cal. Ça devrait nous protéger un peu. Je dois aller où en fait? Ah d'accord. Mais ça protège que dalle. Pas l'avantage. Oui. RAS alors que juste avant le truc tournait encore. Oh c'est short. Ah je savais. Allez. Mais quoi? Waouh. J'ai fait n'importe quoi, j'y suis arrivé. Je nie. T'as entendu? C'est le fantôme. Détends-toi, c'est juste le vent. Je sais pas ce qui est pire. Ce vent, je te jure que si tu... Ou le fait que je vais vous tomber sur la gueule. Oh. Allez, un petit peu plus de démembrement, s'il vous plaît, là. Vous a pas donné de surnom à nous. T'entends ça, BD? Non, j'entends rien. Sérieusement, on va encore devoir faire Musaque du Vent? On vole pas BD, hein. Oui, Merin est sûrement derrière ça. Je ne suis pas un ennemi. Continuez. Aide-moi.
Et hop, je me casse, moi. Sinon, après, il y a Péta qui va me tomber sur la gueule. Wow! C'est une force de la nature. Elle a tout pété, là? C'est une idée que je dois passer... Ok, ça sert à quoi de mettre ça? C'est bon? BD1. Ça pleut à rien, ça. Ah oui, un point de save! Oui! On va s'arrêter. Ah. Bon, on y va. Bonheur, joie, petit oiseau. Un squid. Allez, BD. Statistiquement, il en fait très peu de chance. L'Empire nous a apporté un nouveau jouet, mon pote. On dirait un bionicle le truc. L'ennemi est blessé. Celui-là était vraiment pas sympa, hein BD? Ouais, c'est super simple, hein. J'ai même pas transpiré, wesh. S'il te plaît, le jeu, plus de difficultés. Hein? Sérieux, il y avait juste... ...être dévié de sa trajectoire ici. Avançons prudemment. Tu es d'accord? On peut pas juste monter. Hop. Easy. Allez, cale. Allez, cale. Allez. On doit se rapprocher. Oh non. Oh non. Oh non, je déteste ça. Droite, la droite, la droite. Oh, la gauche. What? Ah! Dégueulasse! Et ça... Une veille sur nous, BD. Un Jedi était supposé veiller sur elle, couillon. Oh, incroyable, une porte qui s'ouvre! Ouais, non. Qu'est-ce donc? Je
Tu es Jedi? Ah, je suis preneur, hein. Ah, quoique. Non, ça va, on va jamais. Regardez ce qu'il vous dit le Jedi. Oh merde. Quoi? C'est pas possible. Ça va nous donner de l'élan. De l'élan. Ah, d'accord. Oh merde. Pourquoi je me fais chier? Hein? Bah, j'allais dire, il est pas mort! Oh non, pas vous! C'est bloqué par ici. Ah, super! Ah, ça y est, le jeu il s'est dit, oh, on a pas assez envoyé d'insectes à la gueule du joueur. On va lui envoyer plein et en plus de ça ils explosent. Parce que sinon c'est pas drôle. Ouh. Allez, on va s'arrêter ici les loups. Ah, poisson de vous, poisson rock'n'roll, n'oubliez pas d'avoir là. Étude, comme d'habitude pour cul. Vous que la chanson, vous que c'est l'Eric, sous que c'est le dicton, je vous laisse. Je vous fais un poutou partout et je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo sur ce. Ciao, bye, bouti bouti. Et n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. Peace.